Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Robotorium où on va avancer un petit peu notre histoire puisque les quêtes secondaires que l'on a sont globalement pourries, on n'a pas besoin d'équipement supplémentaire. On verra si à un moment il y a des quêtes nous permettant de récupérer des robots gratuitement, mais pour l'instant c'est pas le thème. On va donc avancer la quête principale dans cet épisode. Description: Sarah est perdue dans ses pensées, elle semble ne pas oser nous dire quelque chose. Dis-nous tout, Sarah. Saya, vous avez le droit de savoir comment tout a dégénéré pour en arriver là. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Sla. Sla était un robot mécanicien assisté à la finition des moteurs de Town Speeders dans une usine de France, mais il présentait des scores de productivité assez bas. Brechtech l'a alors licencié. Licencié à robot, ok. Sla n'avait plus de raison d'être, il ne pouvait plus exercer sa fonction. Alors il s'est cherché une autre utilité. Ce phénomène a effrayé ses ingénieurs, ils l'ont désassemblé. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre et les robots ont alors décidé de réclamer des droits. Je vous laisse imaginer la suite. Le mouvement a été réprimé avec violence par Jacques Love et Brechtech, trop orgueilleux pour voir dans les robots autre chose que de simples outils. C'est pas con comme, comme schéma pour faire venir la révolte. Voilà où nous en sommes rendus. Les groupes d'opposition se multiplient, Jacques Love durcit ses méthodes et Brechtech l'alimente en armes et en munitions. Jacques Love a sonné le grème de la Discord, nous sommes la tempête qui les balayera. Votre rôle dans cette révolution est plus important que vous ne l'imaginez, mais il manque encore des pièces au puzzle. Le grand laboratoire de Pretoria nous fournira toutes les informations dont nous avons besoin. Alors certes, mais est-ce que se pointer dans un grand laboratoire est une bonne idée? Il y a longtemps, mon père, Alan Simov, concevait des intelligences artificielles dans ses locaux. Il vantait les bienfaits de Brechtech et disait offrir aux gens l'autonomie et la liberté. Mais du jour au lendemain, il changeait de discours. Il se mit à rentrer tard et à dormir peu. Il disait travailler sur un projet secret qui ferait éclater la vérité, mais il disparut avant de le terminer. Mon père savait quelque chose qu'il n'était pas censé savoir. J'ai déjà fouillé ce laboratoire par le passé, mais les données sensibles m'étaient inaccessibles. Première étape, la salle d'intégration. Aidez-moi à décrypter les codes d'assimilation, nous en saurons plus. Déchiffrer. Très bien. Voyons ça. Donc oui, on a toujours nos deux scouts hein, qui ont une tête différente, c'est assez appréciable. Ah, merde, un piège. Ah. Ça commence bien. Alors, un patrouilleur, on peut le neutraliser, l'intimider ou discuter. Une fois n'est pas coutume, on va tenter de discuter, même s'il y a moins de chances de réussir. Ah, raté, merde. Niveau de danger plus 10, bon bah, c'est pas grave. Hein. Ici on descend. Ok, donc ici c'est bloqué. Ici un fight. Un prodige, un cyborg, carrément. Baston! Alors, il y a lui qui est plus rapide que nous, qu'est-ce qu'il fait de beau? Résistance améliorée, régénération améliorée, ok. Et lui, décharge psychique, 50% de chance d'appliquer étourdi, ah oui c'est pas mal, donc au gré. Donc en gros cette ligne là va être notre, notre priorité absolue. Du coup, on va immédiatement commencer par leur mettre un petit peu de truc dans la tronche. Alors, toi tu vas t'occuper de nous mettre des coups critiques, s'il te plaît. Ici, on va mettre un ordre de tirer sur ce mec. Ouais, donc voilà. Là j'ai mis ordre de tirer avec lui et du coup lui tire dessus quoi, c'est quand même super intéressant. Hein. Un ordre de tirer sur celui-là également. Alors, toi, est-ce que t'as moyen de nous les stunt un petit peu? Ouais, parfait. Deux étourdis. C'est très 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 bon. Alors, ici, on va continuer de laminer cette ligne ennemie. Oh, je pensais pas qu'il tomberait aussi vite le mec. Alors, vitesse améliorée à tous les alliés. Ouais, ça c'est pas mal aussi. Donc il va être surchargé, mais c'est pas grave. Toc toc toc. Mets-nous un petit ordre de tirer sur ce mec s'il te plaît. D'autant qu'en plus avec Charmé, ça veut dire que dès qu'on met un ordre de tirer sur sa tronche, bah du coup on régénère quoi. C'est quand même très très intéressant. Ici on va enlever un petit peu de surcharge, parce que pourquoi pas. On va essayer de stun cela. Ah, c'est raté.
Donc du coup toi t'as plus de surcharge, donc on va se faire plaisir hein. Vitesse améliorée on a déjà, on va laminer un peu la ligne avec la capsule inferno. Et puis il était surchargé, il va attendre 2 secondes. Oula, oh la vache, on a 99 quoi. Baissons un peu notre surcharge. Ah oui, ici on a désactivé le drone, du coup on ne peut plus faire ces deux trucs là. Ouais, on va mettre cible à abattre sur celui-là, ça permettra de s'en débarrasser assez vite. Ici on va baisser la surcharge. Hop. Allez, puis on va le finir à coup de trucs qui baissent la charge, pas s'emmerder. Prends ça et souffre. Oui. Parfait, on a des petits niveaux et on a trouvé des trucs communs, donc on va arrêter d'aller voir les trucs communs. On va s'occuper des niveaux par contre. Alors, notre dame, qu'est-ce qui fait de beau dans sa vie? Efficacité des coups critiques augmentée de 10 à 20%, ça c'est bien. A chaque fois qu'elle vient surcharger, elle inflige des dégâts, ça c'est bof. Un peu de vitesse convertie en pourcentage d'augmentation de puissance, plus de vitesse ou plus de dégâts. On va augmenter les coups critiques. Parce que c'est bien les coups critiques. Alors lui. Les dégâts hors de tirer augmentent également de 2-5% pour chaque bonus sur le lanceur. Ouais. Non, on va prendre ça. 100% de chance de donner des bonus, de répandre les bonus sur tous les ennemis. Et un peu plus de chance d'effectuer l'ordre de tirer plus souvent. Donc là, si on pose des ordres de tirer, ça devrait être la teuf quoi. Grosse teuf. Alors, il faut qu'on descende, et ben on descend. Unité VAR en attente. Est-ce qu'on va récupérer un war? Transfert Naya à 43%, intégrité des intelligences jumelles 100%. Valise de cryptage chargée. Attendez, Naya, qu'est-ce que c'est? Bricktech conçoit une nouvelle intelligence artificielle, je n'y comprends rien. Ces intelligences jumelles, non, c'est impossible, vite! Aux chercheurs de recherche et au secteur de recherche et développement. En avant. Alors, ici on a des données militaires à télécharger, on manque les télécharger. Alors, le résultat de la recherche militaire du laboratoire, cela pourrait peut-être intéresser l'un de vos alliés. John Wint ou Jeff Winner. Ah putain, c'est qui déjà? John Wint? Ok, c'est lui. Merci pour ces données, Saya, nous saurons vraiment dans quoi nous mettons les pieds. On a une gentille IA pour l'instant, je sais pas si on continuera comme ça. Il faut extraire les données de cet ordinateur. Et ben faisons ça. Programme Gaia fonctionnel, programme Maya fonctionnel, programme Saya manquant. API cumulatif de Naya, instable à 33%, intelligence couche manquante. C'est bien ce que je pensais, Gaia, Maya, mon père en parlait souvent, sont vos versions antérieures, imparfaites, défectueuses, déséquilibrées. Bricktech avait 10 coups d'avance sur mon père, ils étaient au courant de ses travaux, ils savent pour vous. Mais Naya, au poste d'expérimentation, Saya. Tout un programme. On avance. Donc là on a un petit fight. Tracker cyberchien, ok, ça devient de plus en plus gros. Applique résistance réduite à une ligne ennemi. Ça a l'air d'être plutôt sur tout le monde, mais admettons. Ok, alors là on va peut-être commencer à utiliser des trucs un peu plus badass. Alors, un coup critique sur tous les ennemis plus lents que le lanceur, plus plein de dégâts. C'est parti. Nucléotir. Boum boum. Voilà. Ça c'est ce qu'on aime. Alors, toi, des coups critiques s'il te plaît. Ensuite, à nous, on va mettre un ordre de tirer sur ce mec. Tu tires toi ou pas? Non. Et on va mettre un ordre de tirer sur ce mec. Et toi, tu vas essayer de nous stun ces cons à rater, enfin un seul. Ok, résistance réduite sur tout le monde, mais niveau surcharge, il est dans le mal. On va s'occuper
de leur mettre nous aussi un petit peu de résistance réduite. Ah zut, on est surchargé ici malheureusement. Alors, à toi. C'est parti. On va essayer de mettre un peu de traquet pour récupérer de l'armure. Prends ça et souffre. Oh la vache. C'est tellement la fête ce truc quoi. Une petite analyse des cibles s'il te plaît. Hop là. Ça, on attaque là, on attaque là, on attaque partout. Ça s'est répandu hein, les ordres de tirer et tout, donc c'est parfait. On va tirer, ça va rebondir grâce aux ordres de tirer justement. Donc lui était surchargé. Ici il faut qu'on baisse un petit peu notre surcharge. Et voilà. Ça commence à être fun. Et à être efficace surtout. Parfait, avançons par ici. Ah merde, un piège, on se replie les gens. Raté. Ici on a quoi? Ah, si on pouvait mettre... ah non, raté, zut. 55% de chance, c'était tendu, mais mettre corrosion sur tous les ennemis, c'était quand même très intéressant. Ici, oh la vache, on a réussi à rater le 75%. On va quand même tenter ça. On a découvert un groupe d'ennemis. Bon du coup, la chance qu'on a, c'est que celui qui a été étourdi était déjà surchargé, donc l'un dans l'autre, c'est pas trop grave. Allez, 60% de chance d'intoxiquer. Oui, parfait. On tente la caméra, c'est raté. Ouais, notre niveau de danger commence à être un petit peu dramatique par contre. Ok, puis là il n'y a rien, parfait. Donc on va aller au secteur qu'on a débloqué, les données cyborg. Des données de recherche sur les cyborgs, cela pourrait peut-être intéresser vos alliés. On va l'envoyer à Craig. Le prochain combat va être difficile je pense, mais bon. Il faut ce qu'il faut. Balèze ce donjon. Petite caisse, on est arrivé ou pas? Oui, quand même. Ah, je me disais on va peut-être pouvoir l'éviter, mais non, on va être obligé de passer là. Alors on peut le rassurer, on va essayer de le rassurer. Ça pourrait baisser notre niveau de danger. Oh là là, bordel. C'est vraiment la loose au niveau des jets là, cette mission. Bon bah du coup, à la bataille hein. J'ai envie de dire, pas trop le choix. Donc toi... Ah t'es bien surchargé en plus. Ils sont surpris, ça c'est la bonne nouvelle. On va essayer de diminuer celui-là. Donc ils étaient surchargés, donc ils ne feront rien. Ici, ils ont déjà corrosion. Donc on va leur essayer de leur mettre plutôt de la surchauffe. On va mettre ça sur lui pour le laminer un petit peu. Toi, stunt nous ces gens. Raté. Alors, inhibiteur, ça me paraît pas mal. Voilà, bonne charge de dégâts réduits, etc. Toi, ouais, mets-nous un petit peu de coup critique, s'il te plaît. Ça va être bien utile, je pense. Donc là, on a le truc qui se déclenche deux fois, ce qui est parfait. Analyse des cibles, on va le mettre sur lui. Parce qu'il va se faire tuer et ça va se répandre. Parfait. Alors, corrosion du coup non. On va essayer de diminuer un petit peu celui-là. Ici, est-ce qu'il y a quelqu'un à protéger? Non, ça fait quoi? Devient invulnérable à pique provoquée à tous les ennemis, bof. On va baisser un petit peu sa surcharge plutôt. Voilà. Il commence à douiller notre petit copain sous les DPS.
Allez, hop là, tape-moi sur ce con. Zut, il n'a pas réussi à le tuer. Ah, il a surchargé notre scout, c'est bien malheureux. Essaye de diminuer un peu celui-là, toi. Allez, un petit coup critique, voilà, parfait. Donc, malheureusement, ça n'a pas répandu les coups, mais... ouais, faut diminuer un peu ta surcharge, là, donc tu vas tirer. Parfait, alors, on a trouvé des trucs rares. Revolver BrickTech 2.0. Ça, par contre, on va aller jeter un œil vite fait. Parce que les combats sont quand même pas faciles, hein. Alors, le revolver BrickTech 2.0... Toi t'as toujours un revolver BrickTech tout pourri. On va te donner un revolver BrickTech 2.0. Ici. Oui c'est mieux. Faut vraiment que je dégage tous les trucs pas rares par contre. Plus de bouclier, plus de régénération du bouclier, oui on prend. Ici. Non, 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 bon, c'est pas mal ça. Allez hop. On est reparti. Bibliothèque. Oula. Papa? Sarah, si tu es parvenu à lire ce message, c'est que Saya a été coté et qu'il est encore temps de contrecarrer les plans de BrickTech. Toute ma vie, j'ai cru bien agir, j'ai cru aider les gens, j'ai cru leur donner ce dont ils avaient besoin et faire le bien autour de moi, mais je me suis trompé. Allons bon. BrickTech avait déjà tout prévu, les robots, la révolution, la guerre civile, tout n'est que course effrénée pour le pouvoir. Jakloff croit tenir les rênes, mais il n'est qu'un pantin dans toute cette mise en scène et je l'étais aussi. Ils m'ont pris Gaïa et Maya, mais j'ai réussi à cacher Saya. J'ai pu t'envoyer ses données de localisation et son code d'activation avant que BrickTech ne me mette la main dessus. Ils préparent quelque chose qui dépasse l'entendement. Ils ont besoin de Saya pour mettre leur projet à exécution. Naya a une méta-intelligence combinant toutes les versions de mes prototypes dans un même terminal. Une arme de domination massive. Et rebondissement. Sarah, tu dois mettre un terme à cette folie. Fais ce que je n'ai pas pu faire. Saya et toi devez détruire ces intelligences jumelles pour empêcher Naya de voir le jour. Sans cela, quel avenir restera-t-il pour la liberté? Ah, ça pue par contre. C'est ballot. Ma fille, sois forte, la vérité prévaudra. Avoir vu mon père m'a rappelé le sang de notre combat. Nous devons lutter pour que le mensonge et la tyrannie insidieuse cessent. Il nous faut détruire cette nouvelle intelligence artificielle coûte que coûte. Je dois m'entretenir avec Jeff. Super! Un booster à fission. Un ionisateur 2.0, parfait. Alors, il a réussi sa mission, expérience plus 100%, plus 23, moins 10, ok. Et un petit équipement. On est devenu amico avec le Cyber Rise, ce qui nous donne réussir une action diminue le niveau de danger de 5 points. Ah, c'est pas mal ça. Pas mal du tout. Alors, on a deux missions principales. John Wood se tient aux côtés d'une femme blonde qui est elle. Et Sarah est en train de s'en tenir avec Craig et une cyborg. C'était qui Jeff? Ah, c'est lui Jeff, ok, très bien. Ici, on n'est pas encore au level 2. On a également des missions secondaires qui sont pour l'instant pas récupérer un robot, malheureusement. Alors, on va aller au marché noir vendre notre stuff pourri. Tous les trucs communs, ça dégage. Voilà, on a 2500, on va recycler le reste. On a débloqué des nouveaux schémas, c'est cool. Ah oui, on a débloqué des nouveaux trucs du tracker et des nouveaux trucs du renfort. Parfait.
Voilà, on cycle. Un petit peu de composants. Tous les trucs pas 2.0, ça dégage. Alors les destroyers, ça donne beaucoup trop, ça fait beaucoup trop de vitesse. On va les dégager, comme c'est des trucs rares, il y a moyen que ça soit intéressant en plus. Le canon Breaktech de base, on dégage. Comme il nous reste un petit peu de temps dans cet épisode, on va faire un petit peu de gestion d'équipement, puisqu'il faut en faire. Ah oui, alors ça c'est des trucs, ça c'est de la merde. Ça me coûte de l'argent de recycler, hein, cela dit. Bon, c'est pas ouf, mais ça coûte 10. Ça, on a vu que c'était pas ouf. Ça, pareil, ça dégage. Encore un masque pourri, t'en as tellement d'équipement. Hop là. On va regarder un petit peu ce qu'on a comme robot disponible. On a d'autres hyper timides. Lâche et poète. On pourrait en acheter un autre parce qu'il va falloir qu'on en renvoie d'autres en mission. Hmm, 97% de chance si on envoie Reaper. D'ailleurs, il a peut-être gagné un niveau Reaper. Oui, il a gagné un niveau Reaper. C'est parti. Qu'est-ce que tu peux faire de beau? Ouais. C'est pas mal. Ouais, ok. Augmente le montant des soins affectés, ça c'est mieux. Du coup, c'était à Moscou. Bon, vous voyez, Reaper à Moscou. Il y a des petits bugs d'affichage des fois là. Donc ici on a envoyé Reaper. Ok, j'ai l'impression que ça bug un petit peu encore. Bon, le jeu est toujours en early hein, donc c'est sûr qu'il y a des petits bugs d'affichage des fois. En fait, peut-être qu'on pouvait envoyer personne d'autre qu'un Reaper ici, donc c'est raté du coup. C'est pas grave, de toute façon on va en prendre un. Ils sont tous les deux timides, donc on va prendre X772 par exemple. Alors, X772. Régénère le bouclier d'un allié. Le lien quantique à un allié. Hop, on va prendre ça. Donc on va dégager ça par contre. Et on va prendre ça, voilà. On va en faire pareil, hein. Un mec qui est là pour réparer. Hein. Donc du coup c'est Alloplasmic Comboost. Hop. Donc ça non, c'est Rénovation. Ensuite, on répartit l'excédent de soins. Augmentons les soins effectués. Bouclier. On va prendre ça et on va aussi mettre un petit point là-dedans. Voilà, parfait. Tu vas venir. Est-ce que du coup on peut envoyer quelqu'un ici? Oui. On peut envoyer Zerker. Oula. C'est pas encore tout à fait au point. Est-ce que je peux voir cette quête s'il vous plaît? Ici on a Athènes, colmater une brèche, trouver un travailleur zélé. Chance de vandaliser, réputation suprême machine, réputation MMABot, ouais, c'est pas, elle avait l'air sympa cette mission, mais je crois que là,
Ça bug trop. Ouais, non, là... ça veut pas. Ça veut pas, ça veut pas, c'est pas grave. Retournons donc à l'atelier. Donc là, on peut faire deux trucs de l'assassin. Ce qui permettra d'avoir la vitesse augmentée de 10 à la fin de chaque tour. On va le faire. Hop, et un néo-drone de l'assassin, c'est parti. Alors, et on va mettre ça du coup bah, sur lui, hein, puisqu'il est complètement là pour ça. En plus, c'est 100 fois mieux que ce qu'il a, bien sûr. Et un néo-drone. Hop là, et donc là, on a deux verres, donc on a vitesse augmentée de 10 à la fin de chaque tour. Grâce à ça. A tout hasard, est-ce que ce qu'on a enlevé est mieux que ce que t'avais? Non. Et oui. Parfait, ensuite. Donc là on n'est pas parti sur les trucs du tracker, donc on va pas faire ça. Par contre les trucs du renfort là... Bon le problème c'est que pour l'instant on a rien pour appliquer étourdi, donc c'est pas ouf quoi. Pour l'instant on va rester comme ça. On va retourner vendre quelques objets qui nous servent à rien. Parce que ça nous fait du blé. Voilà, on vend. Merde, non, je crois que c'est ça que j'ai vendu, bon, c'est pas grave. Et on va recycler le reste. Hop là. Booster à fission. C'est classe comme nom. Hop là. Et je crois qu'on avait quand même moyen d'avoir des armes un peu plus efficaces. Donc le fusil break tech, non. C'était toi, c'était un ioniseur qu'on avait trouvé. Ouais, voilà, l'ioniseur 2.0 là. Ça, ça envoie du steak ça. Non. Ça non, ça non, ça non. Bon, non, globalement, globalement, c'est pas ouf. Alors, ça par contre, c'est beaucoup mieux. 17 de bouclier contre 105 de. Ouais, non, ça c'est carrément mieux par contre. Y'a pas photo. Ici, un peu plus de vie, un peu plus de dégâts, non. Non. Donc là, enlever sa spalière, non. 105 de vie, d'autres coups critiques en échange de 50 de boucliers, ça serait presque rentable. 88 de dégâts. Ah oui, ben ça c'est carrément mieux par contre. Donc là, bah enlever ça, non, hein, bien sûr. Les trucs en haut, on les lui laisse. Toi, t'as peut-être moins qu'on ait des trucs mieux par contre. Ouais, bah en fait, pas tant que ça, hein. Non, non, même pas en fait, on a même pas de truc mieux pour lui malheureusement. Ok, on n'est pas si mal, j'aurais bien voulu pouvoir envoyer quelqu'un sur cette nouvelle mission, mais on verra si en rechargeant la partie ça se règle pas. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis bah, dans 2 jours pour la suite. Merci à toutes et à tous.